Et bonjour à tous et à toutes, ici Zatena, directeur de Minecraft, avec Yous. Salut. Pourquoi Yous? Parce que c'est lui qui m'a aidé à construire ça. Est-ce que tu t'es amusé à construire ça, Yous? C'est toujours la première question que je pose, j'avais posé ça à vous voir. Combien de fois tu es tombé, Yous? 90, exactement. Ça les a pas comptés. Donc voici le résultat de quoi, ça nous a pris quoi, 10 heures, à peu près 10 heures à poser de blocs, à peu près 10 heures, aux alentours de 10 heures. Donc j'ai mis des blocs là parce que, des blocs de fer parce que pour l'instant, dedans, c'est vide en fait. Oh cool, j'ai deux blocs de fer encore. C'est tout vide, donc après je vais remplir au fur et à mesure, hein, mais il faut me laisser le temps. Hein. Comment tu vas Yous aujourd'hui? Bah bien. Est-ce que t'as fait des nouvelles choses? On va aller chez toi au passage. Ouais. Bon, pour ses petites bases. Bon, il a commencé une petite base, on va aller faire ça, on va aller faire un petit saut là-bas. Donc voilà, c'était pour vous montrer un petit peu que je construis encore un tout petit peu. Bon, je vais pas non plus construire énormément cette saison parce qu'on est déjà des projets déjà pour la saison 3, mais pour ça, il faut que la 1.13 sorte. Alors bon, parole, le nouveau serveur, enfin, on va dire la nouvelle saison, pour moi, elle aura pas duré longtemps là. La saison 2. Mais la nouvelle saison, je serai avec You, c'est Booba qui m'avait aidé à construire le Colisée là-bas. Donc du coup, on sera 3. Donc du coup, on pourra envisager de faire des choses un peu plus grosses, des plus trucs en commun. Parce que là, pour l'instant, c'est pas évident. Même s'ils m'aident, comme s'ils étaient chez moi. Mais bon, ils sont pas chez eux et moi, je suis pas chez eux. Donc bon, voilà. Je suis chez moi, donc voilà. Après, on construira des trucs. On a déjà quelques petits projets sympathiques. Par contre, je crois que je n'ai pas de bouffe. Est-ce que tu as de la nourriture? Oui, ça manque pas, tiens. Ah, ça c'est bien. Donc voilà, ça nous a pris 10 petites heures. Donc c'est un vaisseau attaque Goa'uld. C'est pour ça qu'il y a eu la musique de Stargate, hein, au cas où que vous n'avez pas reconnu. Bon, c'est quand même reconnaissable. J'ai eu de rentrer quand même. Hein. Ouais. Donc voilà, j'ai tout ça à combler plus ou moins, donc normalement je vais avoir la porte des étoiles à mettre. Et pour ça faut que je l'achète, donc c'est pas encore acheté. Et qui va me permettre de me téléporter d'en bas à ici. Voilà, c'est un peu que ça. Parce que c'est ici principalement que je vais vivre avec mon petit île là-bas. Le Colisée, je sais même pas si un jour je vais le finir. Oh, peut-être qu'on le finira. Peut-être qu'on le finira, peut-être qu'on le finira pas. Mais je voulais faire un event dessus. Et voilà, pourquoi on parle déjà de la saison 3? Parce que on va dire que la saison 2, ce serveur, c'était un serveur test et le serveur a du mal à tenir en fait, parce qu'il y a déjà beaucoup trop de choses, trop sur la même map. Donc du coup, on va faire en sorte que pour la saison prochaine, il y ait déjà beaucoup plus de nouveautés, et parce qu'on a déjà plein d'idées, qu'on savait pas comment le serveur allait tenir et tout ça. Et voilà, plein de nouveautés, ça va être beaucoup plus stable, et voilà, c'est tout. Voilà, voilà, moi j'ai pas grand chose à montrer plus, à part la base à Yous. Allez Yous, amène-nous chez toi. Faut y voir l'ancienne. Hein. Ah, faut y aller à l'ancienne. Parce que la nouvelle... De quoi? Je suis en train de chercher, je sors par où? Sors par où? Tu creuses un trou, tu fais comme moi et tu sors. Ah oui. Bon. Hop, et on va reboucher ça. Hop là. Donc c'est par où Yous? Par là. En même temps, il faut prendre le... Hop là, le portail du Nether, je suppose. Toujours un atterrissage bien contrôlé par le joueur français. Pas trop pour moi. Pas trop pour lui. Lui, il a perdu comme une cœur. Oh non, ça va t'arriver perdu. J'ai atteint un time de connecter, comme ça vous pourrez voir une dernière fois le truc. Le alors, sachez que... une chose, il n'y a pas Schematica, il n'y a rien du tout, tout a été modifié au fur et à mesure, il y a des trucs qui n'étaient pas prévus qu'on a modifié. Enfin, si, je construis toujours comme ça, je fais pas avec Schematica de merde là. Moi je fais avec ma créativité et au fur et à mesure de la construction. Je sais pas s'il y a beaucoup de choses qui ont changé au fur et à mesure sur celle-là. Si, le dessous était totalement... tu sais qu'on a fait la double pyramide. Ouais. C'était pas prévu ça, hein. Et on savait pas du tout comment... Enfin, je savais pas du tout quel rendu ça allait avoir. Hein. Donc voilà, vas-y Yous, vas-y envole-toi, vas-y je te suis. Ah oui, en effet, on va un poil plus vite.
Un peu cassé par les Withers. Oh, il y a des têtes de squelettes. Non, on parlait. Oui, alors tout le monde Ah, est claim. gaffe. Alors, il y a des systèmes de claim et tout ça qui est actuel. Pour éviter que les gens cassent ou autre, il sera grandement amélioré à la saison 3. Tiens, je t'ouvre parce que je pensais que t'es ouvert de l'autre côté, moi. Alors, vas-y, montre-moi. Bon, pour les fonds, on peut descendre par là. Ah, déjà, on va descendre par là. Alors, est-ce qu'ici, ça a changé depuis la dernière fois que je suis venu? Je J'ai sais refait un pas. petit peu la Bah, vas-y. Oh décoration merde, je suis en des train de jardins. tomber. Hop, hop. Hop là, donc le jardin, voilà. Et ensuite Yous après. Parce que enfin, il n'y a que lui de connecté. Après, il y a plein d'autres gens qui ont fait des bases, qui ont fait des usines à FT Money. Après, on avait vu, et là il y a mon design de usine à béton. Je sais pas t'es où. T'es parti là. Ouais, qui marche avec un panneau et tout pour pas que ça. D'accord, ok. Ça c'est du béton. Ah oui, en effet, ça c'est du béton. Ah oui, le nombre de stacks de béton, je peux vous certifier que j'ai racké mon AFT monnaie pour payer les autres joueurs à m'aider à en faire. Ah, c'était pas possible. Hein. Donc Moi, voilà. c'est pas fameux pour l'instant. La petite usine à béton à Yous. Ah, vas-y, Yous, montre-nous ton nouveau chez toi. Faut s'envoler ou quoi? Faut passer quelque part? T'as un passage Bah secret, t'as après le quoi? bar on l'a déjà vu. Oui. Bon. Alors, ben, vas-y. Ah la villa, je crois que la bête Ah, la villa était pas terminée, non? Alors, c'est par où? c'est par ici. J'arrive. Faut s'envoler. Hello, oiseau, je prends mon avant. Hop, la petite maison de Black Knight. Ah, ça Qui est m'est. même pas terminée. Ah, d'accord. Et une petite Et maison la bien. plus belle. Pas dégueu du tout, ouais. Alors celle-là, elle a été faite avec Schematica. J'ai pas interdit Schematica, moi. Oui. Il n'y a pas de. Est-ce que Et l'intérieur est même avec fait? Schematica, Est-ce que l'intérieur est fait? c'est long. Pas aménagé, mais. Hop. Est-ce qu'il y a des meufs qui pop ici? Il y a écrit quoi? Maison verte. Ah! Ouais, non, mais il y a bien rien du tout, quoi. A été Schematica et voilà, c'est tout. Après, toutes tes ressources Oula. ont été fermées. Alors attends, je vais essayer de prendre un peu de. Ouais, on a rasé une forêt à côté pour tout le bois qu'il fallait. Voilà, quoi, ça ressemble à leur petite maison, à leur petite villa. On va aménager sûrement Pas bientôt. dégueu. Ah, il y a un petit truc dessous là? Pas du tout, mais là, t'aurais pu. Ouais, vous auriez pu faire un petit Ouais, j'ai vu sous-sol là. que ouais, ça fait un gros trou en dessous. Oh, c'est pas. C'est Genre un pas. sous-sol. Ouais, ça fait pas dégueu, mais tu peux même aller faire des trucs dessous, ça peut être bien sympa. T'as juste à casser deux blocs, voilà. Hop. Ouais, Et ah, voilà, et ça là, va. vous avez un petit sous-sol On de fera à des peu jardins. près Et 12 000 blocs. Hein. si on plante ici? Oula. Pa-da, pa-da, pa-da. Non, c'est la musique qu'il y avait que j'ai mis un tas de lapsus. Et Ah oui, j'ai même bon. pas rebouché. Oh non, rien à foutre. Oh, zombie villageois. Par contre, mes élytras, moi j'ai des élytras. Oh! On va apprécier, ça va être, on va trouver ça sympa. Il va y avoir un crash d'Athéna. Alors, il serait temps d'arriver à destination là où tu veux Ah. m'amener. Parce que mes élytras sont mortes. Bah après il y a ma nouvelle maison mais. Ah. Bah, à la rigueur, on fait une petite ellipse et on se retrouve à ta nouvelle maison. Ouais. Allez, à tout de suite. Hop! Et après une semaine de wagonnet, nous arrivons chez Yous, qui habite à côté de chez moi en plus. Qui est venu s'essayer à côté de chez moi parce qu'il a trouvé que chez moi c'était cool. Ouais. Et voilà, je vais essayer de prendre un peu de hauteur pour voir à peu près. Ah oui, non, mais en fait, tu m'as fait déplacer que pour ça! Y'a rien! J'ai recommencé. Comme Ouais. ça, vous la verrez évoluer peut-être. Oui, sûrement même. Parce que je vais Enfin, faire la grosse construction. c'est rien. Alors, voyons voir s'il est extrêmement riche. Il y Non. a. Il y C'est a. pas ici les réserves. C'est à croire que. Ah, je crois que je ne l'ai jamais montré ta salle des coffres, j'en doute. Ah non. Ah oui, mince. Ah, bah là, maintenant c'est trop tard. Ça sera C'est pour trop une tard, ouais. prochaine vidéo. Bon, bah écoutez, voilà. J'espère que vous aurez un petit peu apprécié. J'espère que ce qu'on a construit vous plaît. Hein. Tout ça, si ça vous plaît pas, moi ça me plaît. Donc c'est déjà l'essentiel. Je me fais plaisir avant tout et je vous fais partager ce que j'avais tout simplement de partager. Voilà, tout simplement. Hein.
Donc voilà, il y aura peut-être encore une ou deux vidéos. Et après, sûrement, on discutera avec les gens. Par version 3, on va dire. De toute façon, il faut attendre le 1.13, donc elle est loin de sortir. Et surtout, peut-être, je ferai peut-être quelques vidéos de temps en temps sur l'avancée du serveur, sur comment ça va se passer, comment machiner, pour comment ça vous soyez pas perdus. Et il y aura aussi des mini-jeux sur chaque vidéo à la version 3, pas à la version 2. On fera un petit événement pour qui veut gagner. Enfin, on va faire un événement UHC. Pour, tout simplement pour on va dire la pré-saison, on va dire ça comme ça, pour la V3. Comment ça, le gagnant, ils gagneront, enfin les gagnants, parce que ça sera des équipes, c'est plus facile à mettre en place qu'un Top Gun ou un truc comme ça, aura tout simplement 254 AFT pour chaque membre, ou un peu plus, on sait pas encore, on verra. Tout ça, c'est pas encore décidé, c'était juste une idée qui est sûre qui va arriver, donc du coup je peux vous en parler. Et donc du coup vous aurez un KTP, enfin un KTP, un UHC vers pas loin de la sortie de la 1.13. Donc voilà. Donc peut-être même avant, hein, on peut le même faire avant, hein, c'est pas un problème. Hein. Mais bon, c'est ouais. Juste une histoire de louer un serveur et tout le bordel, c'est un peu plus compliqué que prévu. Donc voilà. Donc sur ce, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Et moi, je vous dis à une prochaine. Sur ce, ciao ciao. Ciao.